Alors bonjour, donc je me présente, je suis Guillaume Smith, professeur d'éducation physique et sportive au lycée agricole d'Oneva. Aujourd'hui, j'effectue un cycle de voile, une séance d'évaluation dans le cadre d'un cycle de voile avec une classe de 4e agricole. Donc les élèves, ils ont gréé les bateaux, donc c'est le montage. Ils pratiquent par deux sur un petit bateau là. Donc ils ont eu évaluation, ils devaient effectuer une petite régate. C'était à la fois une compétition entre eux, ils ne devaient pas dessaler, donc dessaler c'est pas, faut pas que le bateau se retourne, et ils devaient effectuer un parcours sans toucher les bouées, avec des règles de sécurité, il ne faut pas se taper dedans, enfin voilà, des règles bien propres à la voile. Donc voilà un peu ce que vous avez pu voir aujourd'hui au niveau de la voile. Bonjour, moi c'est Suzanne, je suis éducatrice à l'internat des filles de Siloé, d'Oneva. On reçoit normalement un effectif de 50 filles. Et ben là, vous voyez Nathalie, c'est une élève de l'internat, elle est originaire de Marais, moi je suis originaire de Poumbe. C'est la première chambre, effectif de 12 filles aussi, les sanitaires. Donc là, vous avez 5 toilettes et 5 douches. En permanence, les éducatrices, quand on a sur les nuits, c'est ici qu'on dort. Là, on va venir vous montrer notre champ. C'est un projet qu'on a monté avec les filles de l'internat. C'est un potager, on a planté un peu de tout. Il y a des chouchines, des tomates, du maïs et des bananiers. Et le déroulement en internat, on assure l'internat, l'accueil des filles à l'internat. Donc par jour, elles ont leur temps de douche, d'études. Ensuite, on a les horaires pour avancer au réfectoire pour prendre les repas. Le week-end, nous sommes ouverts tous les 15 jours. Donc on accueille les filles tous les 15 jours. Là, normalement, nous sommes en train de préparer un projet de voyage en fin d'année pour l'île des Pins. C'est cool de rester ici, parce que des fois, on démarre promener sur Wawilou. Voilà. Salut la bande! Là, nous sommes à Wawilou, particulièrement à Porou. Vous avez devant vous la plage, magnifique. Bonjour, je m'appelle Nero Alban. Dans mon travail ici à la mairie, je tourne un petit peu, je représente la culture, hein, ça fait que je tourne un petit peu dans toutes les tribus pour un peu faire la relation avec les coutumiers. Et puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup aussi de gens aussi qui viennent sur Wawilou pour visiter un peu le monde de Wawilou. Wawilou c'est grand, hein, puis Wawilou il a des espaces uniques aussi. Puis je fais appel aux gens qui sont de l'extérieur. Hein. Pas avoir peur de venir ici à Wawilou, parce qu'ici il y a des gens qui sont accueillants. La Wawilou fait appel, c'est comme ça le soleil de Wawilou va les éclairer aussi. Alors, parce qu'ici Wawilou représente le soleil. Le soleil, comme disent les vieux, il dit comme ça Wambani, Banke Kunkara. C'est-à-dire, fais ce travail-là avant que le soleil va se coucher. Bonjour, là on est à Wawilou. Là on est pas devant la cascade de Bob.
beaucoup fréquenté par le lycée. Dans les week-ends, on vient venir ici. Fin d'année, on vient avec les profs. Je me présente, je suis M. Kaké Abael. Je suis le président des parents d'élèves de Doneva. Et bien voilà, j'essaie d'être utile un peu pour les parents, mais aussi pour l'établissement de Doneva. Et je suis aussi le projet éducatif de Doneva par rapport au lycée agricole. Et là aussi, l'importance de, au niveau de l'histoire aussi, de l'histoire de Doneva, c'est l'un des premiers, je vais dire, les premières écoles de l'Alliance scolaire, mais aussi du pays. Et c'est pour ça que nous, derrière toute l'histoire, nous voulons encourager tous les élèves à reprendre ce que nos vieux ont légué par rapport à la formation, par rapport à l'éducation, mais aussi par rapport à la formation. Voilà, c'est pour ça qu'on est impliqué, on est très impliqué à l'intérieur de ce projet éducatif de Doneva. Bonjour, je suis le vice-président de l'APE de Doneva. J'accompagne mon président qui est Baël Kakea à faire le travail de l'APE ici dans l'établissement scolaire. Nous avons comme but déjà d'accompagner la scolarité de nos enfants à l'intérieur de l'établissement et de faire une continuité du monde familial dans le monde scolaire. Et Doneva, à travers son lycée agricole, a un challenge à lever. Et aujourd'hui, nous sommes, le maillon de chaîne qui amenons notre contribution. Aujourd'hui, on essaie d'appliquer, notre présence ici dans l'établissement en accompagnant une politique de développement de l'école. Si je suis là aujourd'hui, je remercie tout ce que l'école m'a apporté. Si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lycée de Doneva. De mes années d'école, c'est pas bon. Sa maman, Doneva m'a marqué. Ça nous a appris à aimer la terre. De nous.